Bonjour, bonjour chers Ivoiriens, bonjour chers Ivoiriennes, je suis Herman. Voilà, j'aimerais tout simplement vous dire que selon la CPI, le président Alassane Dramane Ouattara, bon il ne veut plus qu'on dise Dramane, donc Alassane Ouattara devrait verser une somme de 386 millions, milliards, 386 milliards de francs CFA, si je ne me trompe pas, mais c'est l'équivalent de... Je vais dire de 600 millions d'euros. Donc presque 700 millions, non pas 700, mais je vais dire plus de 700 millions de dollars au président, son Excellence, Monsieur Laurent Gbagbo Kudu. Donc je pense que voilà, on va suivre ce dossier de près et on fera beaucoup de sorties. J'aimerais aussi dire que vous avez vu le silence, vous avez su sans doute le silence sur Info Côte d'Ivoire et sur cette même chaîne. Voilà, bon, ici. Aussi d'office, je ne peux pas faire de direct puisque je n'ai pas assez d'abonnés. Mais Info Côte d'Ivoire, là-bas, nous sommes déjà à 102 000, 102 000, mais on a été signalé. C'est pourquoi vous voyez que mes petits, ils ne font que faire des publications. On a été signalé et YouTube, donc, on nous demande de ne pas poster. Nous ne pouvons pas poster pendant un mois, je vous assure. Pendant un mois, c'est jusqu'au 8 du mois prochain. Après quoi, nous pouvons faire une demande. Nous pouvons faire une demande pour être dans les YouTube partenaires. Bon, il y a tous des thèmes que j'ai pas envie d'expliquer ici. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de regarder tous nos collaborateurs, les Yves Aipo, les Steve Biko et j'en passe, via notre plateforme, durant le mois, ce mois-là, nous avons été signalés. Voilà. Mais on continue toujours de poster. On continue toujours de faire nos posts, nos publications. Voilà. Donc, en tout cas, restons à l'écoute, on revient en force. Parce que c'est toujours comme ça. YouTube nous empêche de mettre en ligne. C'est pourquoi vous voyez que depuis, je ne fais même plus de direct. Sinon, souvent, je donne mes avis, je fais des directs. Il y a tellement de many things are going on right now. Il y a trop de choses qui se déroulent actuellement. Mais bon, je vais toujours continuer de faire mes vidéos préenregistrées et de balancer sur Herman Parle Politique. Voilà, c'est vrai que cette chaîne, pour l'instant, s'appelle Herman Officiel. Mais je vais changer le nom plus tard. Et on va faire appeler ça Herman Parle Politique. Donc c'est pourquoi je fais cette vidéo pour vous annoncer et pour vous informer que il se pourrait que la CPI veut 600 millions d'euros comme dirait, comme qu'est-ce que je dis, comme dommages et intérêts à la compte du président Laurent Gbagbo. Bon, je ne connais pas le sort de Charles Blé Goudé, il faut lui dédommager aussi. Mais normalement, s'il a été acquitté, je pense que ce pays va se prononcer sur son cas. Voilà. Ce n'est pas par les canaux officiels que nous avons eu cette information, mais je vais dire que ça court un peu partout et on a eu les échos, on vous informe et on attend la concrétisation de cette information. Si c'est le cas, c'est normal. On ne peut pas gaspiller 10 ans de la vie d'un ancien chef d'État ou d'un chef d'État qu'on bombarde, qu'on va prendre chez lui dans le palais présidentiel, on vient l'humilier à la face du monde. Un président qu'on filme en débardeur et on montre aux gens en direct sur une chaîne maudite qu'on appelait TCI. On ne peut pas faire tout ça cadeau à un être humain, père de famille. Sa femme vit encore, ses enfants vivent encore. Ils ont pleuré, ils ont vu toute cette humiliation. La minimum des choses, la moindre des choses, c'est le dédommagement. Mais moi, personnellement, je ne dis pas que je suis contre, mais je ne suis pas allé avec ça. Voilà. Moi, on veut savoir qui a tué les soi-disant 3 000 morts. Vous êtes d'accord avec moi? Si ce n'est pas Gbagbo qui les a tués, qui les a tués? Donc, dès que Info Côte d'Ivoire sera désactivé, c'est-à-dire quand on peut poster, par exemple, actuellement, on ne peut pas poster, on ne peut pas faire direct. Oui, on peut seulement mais faire post. On ne peut pas poster une vidéo, c'est-à-dire on ne peut pas mettre une vidéo en ligne, on ne peut pas télécharger une vidéo, on ne peut pas faire de direct. C'est bloqué. On nous a bloqué. Voilà. Dès que ça va s'ouvrir le mois qui vient là, c'est-à-dire qu'on va dire le 10, le 12 du mois prochain, je pense que ça va s'ouvrir. Quand ça s'ouvre là, vous aussi, c'est rapide. Je vais commencer à communiquer dessus, comme ce n'est pas possible. Pour l'instant, je vais toujours continuer sur ici. C'est pourquoi je vais demander à mes petits de mettre toujours le lien de mes vidéos de l'autre côté. Je vais continuer ici, jusqu'à ce qu'on atteigne les 1 000 pour que je fasse les directs ici. Voilà, vous avez compris. Donc les frères, c'est parti, on va communiquer dessus. Qui a tué les 3 000 morts? Si ce n'est pas Gbagbo qui les a tués. Si ce n'est pas M. Charles Blé Goudé qui les a tués, alors qui les a tués? Puisqu'il y avait deux camps. Vous aussi, vous parlez de l'amusement. On dit non, ne parlez pas trop de ça parce que ce rogue va en partie. Moi, il y a beaucoup de personnes qui m'envoient, je ne réponds même pas. Je lis et puis je laisse. Vous avez quel genre de réflexion même?
Parce que ce rogam va en partie, il ne faudrait pas que ceux qui ont tué nos parents, pardon, les shérifs Ousmane, les Kone Zagazaga, les Vecho, tous ces rebelles-là, tous ces sanguinaires-là, ne payent pas pour leurs crimes. Ce n'est pas moi qui ai demandé à ce rogam d'être le chef de la rébellion ou d'être le porte-parole de la rébellion, de se mettre devant la rébellion, d'écrire un livre à cause de la rébellion. Je m'en fous de ce qui va arriver à ce rogam. De la manière qu'il s'en foutait de ce qui arrivait aux Ivoiriens et qu'il était au perchoir de l'Assemblée nationale. Il tenait des discours. Quand vous êtes à l'exil, rentrez. Comment il faut rentrer? Pourquoi tu fais parole, message à la nation? Je n'ai même pas écouté ça, je n'ai même pas le temps de ça, je n'ai pas envie de regarder. Ben, c'est que si il regarde, ça me fait mal puisque je ne peux pas faire direct. Puisqu'ici, il faut que je fasse les vidéos préenregistrées. Vidéos préenregistrées, là, ça me fatigue. Je n'aime pas ça même parce que c'est fatigant. Il faut faire l'enregistrement, il faut mettre en ligne. Puis ça prend le temps pour être en ligne. Puis c'est lourd. Vous comprenez? Donc, je n'aime pas ça. Sinon, si je regarde ça, je sais qu'il y a fait droit de réponse à Soro Guillaume. Voilà. Ou soit je vais regarder. Et puis après, maintenant, je vais prendre les parties qui sont bizarres. Et je vais venir faire droit de réponse peut-être demain. Voilà. Parce que ça aussi, c'est important. Il faut qu'il arrive à construire cette chaîne-là. Donc, merci aux quelques 500, 600 personnes. Je ne sais pas c'est combien, on a ces 500. 500 personnes qui sont abonnées. Je vous remercie. Continuez de vous abonner. Si vous êtes membre de Info Côte d'Ivoire, pour l'instant, on est bloqué. Abonnez-vous ici. Voilà, j'ai même donné encore. J'ai fait la même chose. Mais je n'ai pas envie de mélanger d'autres vidéos avec sur cette chaîne. Je veux que ce soit seulement mes vidéos. Sinon, j'allais faire la même chose. Prendre les autres vidéos que mes petits là font. Donner le lien pour que mes petits postent ici. En attendant que l'autre côté soit débloqué. J'allais faire la même chose. Mais pour l'instant, j'ai envie de construire cette vidéo seulement par moi seul. Voilà. Donc vraiment, que mon Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. C'est cette petite information que je voudrais vous dire. Moi, je m'en fous du message à la nation de Soro Guillaume. Je m'en fous s'il va en partie ou pas. Qui a tué les 3000 morts? Sinon, on sait que c'est presque plus de 20 000 morts. Les gens ont trop tué des gens. Les gens sont trop morts, les frères. Les gens sont trop morts. Ça va rester comme ça? Ça va rester comme ça?